Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Unforgiven, Northern Hymn. Oh non, comment c'est pas, s'il vous plaît, laissez-moi parler, hein. Bon, au dernier épisode, nous nous sommes aventurés au-delà de la porte ésotérique, et nous avons pénétré apparemment dans ce qui semble être la zone du bordel. Étant donné que dehors, il n'y avait que des gremlins et du troll, maintenant, apparemment, il y a des femmes au violon, il y a des femmes nues, il y a des enfants de Freya, enfin, il y a plein de conneries. Mais au dernier épisode, nous n'avions croisé aucun monstre, comme quoi notre prestance suffit à les éloigner, hein. Même si y en a une qui s'est crue rigolote de nous enfermer dans une grange. Parce qu'elle a fermé une porte, mais ce qu'elle avait peut-être pas prévu, c'est qu'il y en avait trois autres. Bref, et nous sommes allés voir le forgeron. Et nous avons trouvé ce qu'on peut attendre à trouver dans un. Ce qu'on peut s'attendre à trouver chez un forgeron. Savoir une corde. Même pas une épée, même pas une lance, même pas une hache, rien. On est chez les Vikings, mais non. Chez les Vikings, ils combattent avec des cordes. Bon. Je suis là. Je suis à la tour de l'horloge. Oh, il y a une porte. Là, ça va être. Là, il y a l'espace de stock. C'est un arbre. Là, il y a l'espace de stockage. Ok. Espace de rangement. Ok. Les petites Freya. Ok. Le pont-levis. Ok. Et apparemment, faut qu'on aille à la salle de la harpe qui se trouve à la putain. Putain. Est-ce qu'on va directement à l'espace de stockage ou est-ce qu'on va avoir les petits de Freya? Si Freya, c'est la folle au violon, non. On n'y va pas. Donc, on va directement aller voir l'espace de stockage. Pas bouger, hein! Je vous merde! Ah, vieille branche! Encore ce signe. Mais est-ce que du coup, si ces monstres sont issus de l'enfer ésotérique et dégueulasse, Est-ce que ces signes seraient pas des signes protecteurs? Dans ce cas, peut-être qu'il faudrait que je m'en. Ils peuvent me voir. N'entre pas. N'entre pas, le monstre! C'était pas une bonne idée. Ok, j'entre pas. Voilà. Donc ça, c'était l'espace de stockage. Je viens d'où? Je viens de là. La route, elle fait quoi? Elle va là-bas. La route. Non! Moulin de Ragnar. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bourg. C'est fou comme les arbres ici sont rassurants. C'est quoi ça? Espace de rangement, ok. Mais pour ranger quoi? Ah, genre ça! Ça c'est bien ça. Il était un héros nommé Ragnar le Rouge qui vint à Blancherive et entra dans un bouge. Chaînant les godets, rapière à la main. Sordis en vantant de moult butin. Moi je veux la harpe.
sachant qu'après. Parce que le doc. Les docs là pour embarquer. Je les ai passés. Ça veut dire que si jamais. Quand j'aurai la harpe. Va falloir que je fasse tout le sens inverse. Eh oui. Eh oui, ma bonne dame. Bon, je sais pas qui c'est qui joue avec ces cloches. Les petits de Freya. Tadam. Halpin. Rita. Viamda Oyog. Elis. Inge. Övervattnet. Överbron. Hej, madame. Tadam. C'est bon, il y avait un rire derrière. Alors. Commencez l'essence. Pouvoir d'abord. Bon, commencez d'abord les allumettes. En raison de vol, le cabinet est verrouillé et la clé est avec le gardien. Je l'ai, la clé, je pense. Mais faut de l'essence. Faut de l'essence pour. Yeah. La ceinture est cachée. Il y en a un nouveau chez le forgeron. Non, mais c'est bon ça. Mais l'essence. Commencez l'essence et le pouvoir d'abord. Dis-moi pas que c'est chez les petites Freya. Non, c'est de l'essence, ça. C'est pas de l'essence, ça. Ouais. Oui. Oui. Voilà. D'abord. Eh bien. Ça y est, il y a de l'essence là. Là. Le moteur pas du tout discret. Maître de la technologie. Ma gueule. Toi Freya, tu restes au village, hein. Et quand je reviens, fais comme quand j'y suis passé la première fois. Reste chez toi. Je t'avais demandé de rester chez toi. Je sais qu'elle est à droite, putain, je l'entends dans mon casque, salope. Freya, si ça peut te rassurer, tu chantes très très bien. Gentille. Vous sentez la course poursuite là?
sais, là, apparemment, qui transforme les gens en arbres. Et vous, arrêtez de fantasmer parce qu'il y a du cul sur YouTube! Ce cul peut vous tuer! Ta mère la te pue. Non, parce que autant son chant était pas rassurant, autant quand elle chantait, on savait qu'elle était là-bas. Et maintenant, don't know. Va t'occuper de ton jardin, Freya. Eh, je fais pas de bruit en plus. Hum. La 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 la. 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 J'essaie de la relancer, hein. Dans l'oiseau. Det här händer inte. Det här är en dröm. Putain. Bara en mardröm. Direct sur son... Sur son jardin. Les arbres, avec des panzani. Ça serait cool si je pouvais avoir un point de sauvegarde. Oui, je sais, je vais lentement. Mais prudence. Wallah Hadim. Tu vois, ça c'est à force de faire des sacrifices divins à la con, ça. Après, on se retrouve avec une meuf à poil qui transforme les gens en arbres. Des grands hommes qui veulent faire main avec les jeunes pucelles du village. Des gremlins sous-marins qui te courent en s'apprêtant en disant tellement j'y t'aime. Bon, là il y a l'air d'avoir un chemin. Et moi j'ignore pourquoi. J'aime bien les hautes herbes. En fait, la clé dans un jeu d'horreur, c'est de réussir à faire la différence entre c'est quoi les bruits de fond et c'est quoi les vrais dangers. Baraque avec un pont. Bon, Freya, elle s'est quand même pas tapé un sprint pour refaire son kiff devant moi. Non, quand même. Surtout que là, par rapport à la carte, je ne sais plus du tout où je suis, parce que pour moi, il fallait aller tout droit. Il fait chaud à côté, il y a le pas. Il y a le de cacher quoi? Comme dans le feu, ça. Hop, je me relève parce que j'ai mal au pouce. Quoi par là? J'essaie de me rappeler le plan, mais... Il n'y avait rien tout droit vers l'est. Et...
Salle de la harpe. Ah ça c'est très con ça. Police. Ça pue la maison hantée. Oh, on peut ouvrir les coffres comme Skyrim. Eva, tu me manques. Pardon. Devoir sacré. Ça va encore tout l'air d'être une communauté de frappadingues. Oh. De sauvegarde. Bien, mesdames et messieurs, je me gratte en même temps, voilà, j'en ai rien à battre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous avons atteint la salle de la harpe, qui apparemment nous permettra de nous mettre en sûreté à condition de nous retaper tout le chemin, sans inverse. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux en masse, de mettre le petit pouce bleu aussi, de commenter, ça aide. Dites-nous si vous avez, dites-moi si vous avez flippé, dites-moi si vous vous êtes foutu de ma gueule, dans quel cas je vous en voudrais pas. Je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde.